Depuis 4 ans, les membres de l'association Les Désidoitées s'engagent pour donner du rire à tous, pendant un week-end, tous les ans, au public de Bourg-en-Bresse. Cette année, le Festival du Rire Bressan devient les Bressanneries et aura lieu le 28 et 29 mars 2015. La ville a déjà son festival de théâtre amateur, son festival de cirque, son festival de théâtre engagé. Les Bressanneries viendront compléter l'offre avec un festival café-théâtre dédié à l'humour. Ce mélange amateur-professionnel de l'humour de la région, c'est la recette de la réussite de ces soirées. Aucun concours, juste une scène à partager avec une seule finalité, rire. Des comédiens de la région sont ainsi recrutés dans un rayon de 50 km autour de Bourg-en-Bresse pour les amateurs et dans un rayon de 200 km pour les professionnels. En France, il existe environ 400 événements autour de l'humour. Tournon-sur-Rhône, Cavaillon, Villeurbanne, Saint-Pierre-de-Chandelieu, Mâcon, etc., etc. Pourquoi pas Bourg-en-Bresse? Ce serait le 401e événement de l'humour en France. Les trois premières éditions ont été une réussite artistique, mais financièrement catastrophique. Malgré des recherches diversifiées pour financer trois soirées dans le week-end, des économies doivent se faire pour continuer à amener du rire en ce début de printemps. Et pour donner du temps sur scène à des nouveaux talents et favoriser la rencontre avec des professionnels, aucun concours de meilleur quelque chose, juste une scène pour s'exprimer avec des troupes ou trios, duos et one-man show. Le financement d'un tel festival n'est pas exorbitant. Malgré tout, il faut payer les artistes, la salle, les assurances, les frais divers, la sono, les éclairages, les affiches. Cette collecte permettra de financer un tiers du budget total. Attention, le 19 février, il sera trop tard. Mais si on s'y met tous...